50% de moins de réalisme. C'est automatique. Marche, ça te marche quand tu marches là. Tu marches comme ça là. Hein? Oui, non, mais. Non, mais. Okay. C'est un mauvais exemple, peut-être. Mais il y en a d'autres. Non, il y a marqué le ballon, traversé ici, un dos, tout pareil, c'est plus naturel. Donc, il faut faire attention à ça. Très attention à ça. Donc, il attaque. Est-ce que je veux absolument sortir la ligne d'attaque? Puis là, je suis prêt à faire autre chose. N'importe quoi que je veux faire, c'est plus important. L'important, c'est que je n'ai pas été frappé. Ça, c'est l'important. Je n'ai pas été frappé. Pas. Et lui, c'est jaune. Bon. Ah, j'ai été frappé, mais lui, il est frappé. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Si vous ne faites pas ça, c'est fini. Deuxième des choses, vous vous appuyez à faire des techniques toujours. Hein, tout le monde veut faire des bonnes techniques, là, on va faire chier une vie. Ouais. En réalité, vos techniques peuvent être rentrées avant même d'avoir fait. Là, j'ai voulu rentrer chez Olagué. Et c'est ça l'idée. Tout est dans les principes. Tout est dans ligne d'attaque, équilibre, centralisation des masses, poids du corps. Tout est là. Le reste, c'est rien. Vous pouvez faire plein de choses, puis être efficace. Puis même souvent, les choses les plus simples. Bien. Bien. On va travailler. 5 minutes après ça, vous serez seigneur en moi. Vous cherchez tout le col, sortir la attaque, passer le bras, vous rentrez le début. Ça s'appelle ending lagging. Et les choses sont un petit peu plus, vous allez faire autrement de ce que vous faites d'habitude. Vous allez faire comme vous voulez, avec votre corps, avec votre épaule, avec votre cuisse, avec votre front. C'est tout. Je vais te sexer. Avec merci. La poigne, merci. La poigne, mes petits points de pression là. Ah, bon. C'est parti. Je vais faire un bras de reptile. Ouais, t'es exagéré là. Ouais. Bon, on essaye. Come back here.